La vision subjective du jeu vidéo appartient à ce mouvement. Lorsqu'emmuré, vous parcourez un monde cubique et angulaire, eh bien, vous voyagez dans et sur une topologie à angle droit. Tout est là et vous devez choisir le rythme de vos épreuves. Car le labyrinthe est une topologie du choix, une manifestation de l'initiation. Pour que vous puissiez devenir ce que vous êtes, c'est-à-dire, selon les cultures, un homme, un voyageur, un joueur. Les entrailles tortueuses du monde de la culture sont à l'image dans les égouts traversés par tant de personnages de la série Alien, les halls des films catastrophes, comme les deux Poséidon et Titanic. Les voici dans les sous-marins des films de guerre, les parkings et les canaux asséchés de Terminator, les connexions et les cavernes des Matrix, Cube, Saw. Et dans les hôpitaux, notamment dans celui du film L'Enjeu de Barbet Schroeder, et les couloirs enflammés de fréquences interdites. D'ailleurs, le feu est toujours présent avec le labyrinthe et le serpent. Et les prisons de Stallone, Lambert, John Woo sont des labyrinthes. Et tous les buildings de John McTiernan. Ce qui m'intéresse alors, c'est que les adolescents qui consomment ces genres passent véritablement de l'âge de petits garçons et de petites filles, eh bien à un autre âge, en regardant, ensemble ou solitaire, les 10 genres. Dans leur réel, ils consomment symboliquement une action imaginaire. Les action movies, ont donc pour fonction cognitive et sociale, à la fois, un rite de passage du ou des héros du film et un rite de passage de son public. Dans le fait même de le regarder, d'être capable de le regarder, car on ne regarde pas un film d'horreur à 11 ans, à 12 ans et à 16 ans ou à 35 ans, de la même façon, donc dans le fait même de le regarder, d'en parler, ce qui est essentiel, et d'en faire collection. Sixième porte. Le labyrinthe est le premier élément de la vie exponentielle, le plan du voyage au centre des fractales et des mondes en non-équilibre, le nôtre aussi bien, et c'est le premier élément de la ville exponentielle, à la lumière de l'auto-organisation. Car le labyrinthe est exploration du ventre de la ville. Septième porte. La maison et ses soubassements sont le premier labyrinthe de l'enfant. Où donc se situe la maison du diable de Robert Wise, Psychose de Hitchcock, Shining de Kubrick, tous les Amityville, les séries Cube, Saw, Hostel et les jeux vidéo. Ces films décrivent l'enfermement. Mais de qui? De l'enfant, de l'homme, du quidam. Mais dans quoi? La cité, les mathématiques? La culture peut-être? Dans quel endroit sont enfermés Pinocchio et Geppetto? Dans la gueule d'une baleine? Eh bien, les architectures en dur ne sont-elles pas comme les entrailles de la culture? Et nous, les petits plats de la culture? Car en général, les maisons mangent les hommes. Huitième porte. Michel Lyris n'a certes point collaboré au scénario du film horrifique The Descent, superbe film anglais. Et pourtant, il décrit dans Aurora un cauchemar étrangement analogue ayant pour chème la descente. Chasse, dévoration, ventre sanglant et intériorisé, ventre digestif de The Descent, où l'héroïne et sa rivale doivent digérer la mort de leurs proches, une famille, un amant, et digérer leur propre mort. Car c'est notre lot à tous, digérer la mort, la nôtre après celle d'autrui. Bien sûr, la série des Aliens nous dévoile cette fin de l'homme, FIM, l'homme comme nourriture, car les ventres, serpents, aliens, veulent séjourner dans le ventre des personnages avant de tout habiter. Dans ces films, ce qui est devant nous, c'est la carte du monde stonien. Ce sont les boyaux du mal. Ils nous enseignent que mourir est une question de tripes. Les tubes digestifs se dévorent entre eux, telle est la loi du monde. Alors l'homme n'est pas exactement un loup pour l'homme, mais plutôt un tube digestif pour un autre tube digestif. Neuvième porte. Il est temps de laisser mourir l'Occident, semble proférer le système de notre imagerie occidentale. Tout nous parle du temps où tout sera fini. L'imagerie laisse au vulgaire, comme on dit dans les livres de Kant, l'imagerie laisse au vulgaire le fait ontologique et historique que la connaissance est faite pour la mort. Ainsi, les décors des aliens, des prédateurs, des Freddy, des Jason, des The Cell et des The Descent nous décrivent les méandres de notre petite vie. Nous décrivent les méandres de notre esprit où dévoration et labyrinthe ont une place de choix. Dans ces trous hélicoïdaux, galeries de l'esprit, cavités et excavations, nous plongeons au cœur même de la perdition avec le mal, rituel d'expiation avec le diable protéiforme de nos interdits. C'est la métamorphose, le temps du guerrier et de la victoire sanglante, où humilité et courage côtoient la mort franche et sanguinaire. Dixième porte.
Les films labyrinthico-horrifiques, dans lesquels se manifeste l'effroi de la chair et la tyrannie de la pensée calculante, pour parler comme Heidegger, sont le sage dégoût de l'Occident pour lui-même. On y parle structurellement donc de la terreur d'une mort sans justification et de la reconnaissance inquiète de lois encore inconnues. C'est le genre fantastique. On y parle d'esprits déséquilibrés ou asociaux. C'est le genre serial killer. On y parle de nos déterminations bien-aimées. Détermination rassurante en tant que détermination. C'est la rationalisation du crime selon les motifs de l'argent, du diable ou d'une puissance extraterrestre, de quelque chose d'autre, parce que ça rassure. On y montre surtout la surface comme expression de l'intériorité, comme dans le tableau de Magenta, le Christ mort, ou dans la logique du docteur Hausch de la philosophie, Ludwig Wittgenstein. Les scénarios labyrinthiques ont pour fonction l'euphémisation du néant. Ils esthétisent la sauvagerie, nos excrétions et nos déjections, le mal et la souffrance. Les mythèmes de l'histoire mondiale des folklores sont des trous dans le réel, comme tous les vampires, tous les zombies, toutes les monstruosités dégénérées et les civilisations avancées ou retardées. C'est ce que j'appelle le « ça » dans la Mathesis Universalis. Le « ça » dans la Mathesis Universalis qui s'exprime à travers ses formes du monde. C'est le cheval dans la locomotive, « the ghost in the machine ». Satan dans l'escalier, l'aléatoire comme prince de ce monde.